les téléspectateurs de Congo Live Télévision, de partout où beaucoup y a Babiso, ezala na mabota na bino, ezala na misala, ezala partout, hein, que vous êtes très nombreux à travers cette confiance que vous nous faites et vous avez fait cette confiance durant l'année 2023 et nous continuons, nous poursuivons de vous servir la bonne information et la source et que vous savez Congo Live Télévision, tous les jours on a toujours pour nous servir bino, bah, information sur tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Nous savons que vous êtes très nombreux, la grande communauté des États-Unis, un grand merci à vous, un grand merci à la communauté de Canada, un message et Kokomi la Kangai, merci Nabino de votre soutien, un grand merci surtout à en Afrique, Bande Konabi sur Angola, un grand merci Nabino, un grand merci Nabozala. Vraiment, les loyaux pour nous couper Sabino, bah merci et belé parce que tout en année à Sika, Makambo et Sika, et puis toujours la confiance pour couper Sabino, et un mot biso pour réitérer Bino confiance. Voilà, un grand merci na balandi nyonso et à Congo Live Télévision. Les loyaux, Zali, ma solo to koubé tanakatia politique à République démocratique du Congo, Outa Mokonzamboka, Azala Kibongo proclamé provisoirement par la CENI hier, Azala Kibongo jour et à Souka Oyo. Batonio soba dala ki oba ko contester au recours et singela ki ba ki ndeko kotsa na ngambo ya cour constitutionnelle to monika ka moko a kotisé nzela ya article 64. Nous allons voir ce qui va se suivre parce que to emi que champion ya rue, champion ya nzela ezali bongo mon amboka Félix Anton Tshisekedi Tshilombo. Mais nous allons continuer de suivre cette de près la situation et to informer bino qu'est-ce qui se passe en République démocratique du Congo. Moïse Katumbi, il a dit que pour accepter le résultat, on va déposer la banque de côté la cour constitutionnelle, mais il faut activer l'article 64. Bloc et opposition, et comme il y a aussi le peuple à Senga qui était basé à la Moko avant l'élection, mais comme il y a après l'élection, qu'est-ce qui va se suivre? Donc nous avons l'idéal avec les politologues et puis hommes politiques en République démocratique du Congo, Azali Bongo, Moutoua Poussada Bakouès, à travers Mayele et à la nation. Tout comme tu as pour que tu puisses permettre à nous informer dans tout ce qui se passe dans la République démocratique du Congo. Mon amboka Joseph Essengo Mingi, Yakoya Mbayo, dans Congo Live Télévision, et ma bonne année. Bonne année de Olivier. Congo Live, c'est la première fois, je suis impressionné. Tout à fait. Je veux le meilleur bonne année et puis la chaîne Wekende Liboso. Où est-ce que ça la promotion à mon Konzamboka? Tout à fait. Yango Nazo Sengapé par l'occasion, Bato Nyon Soba Wolanda. Ma porte fondée la bino na ba institution surtout na présidence de la République parce que faire la promotion y a Bakshia Mokonzamboka c'est vraiment bien. Je n'oublierai pas de couper ça m'a vu le meilleur un homme exceptionnel en l'occurrence le CG Kabuya un homme exceptionnel pour nous c'est notre chef ainsi qu'à toute ma famille ba congolais nyo soit diaspora na oya awa ba membre nyo soit ba institution mboka. La tombe est bino, année malamu 2024. Année malamu, année oyo, il y a deuxième mandat, il y a beaucoup d'espérés, ma kambo ya malamu, parce que il y a mon chef de l'État, le bien été. Mandat, il y a un mandat, il y a un peuple, apprécié à mon peuple, pour que le peuple y ait mon aïeba ko pesa ye o ya ni ko sala mais a continuer toujours pour que ba congolais ba continuer toujours pour consolider ba acquis mon amboka. Réélection et salami. Le 20 décembre 2023, bah, l'élection Salimaki, na soirée à le 31 décembre 2023, Kaka signé à proclamer provisoirement le loyo. Donc, il y a des contestations dans l'Ikouya. Le résultat, il y a opposant. Il y a été, et il y a dit ma konami, parce que, moni, ma machine, na banda ko ya bato, ba moni, et logistique ya seni, et tamboli malamu te, le loyo, il y a contesté ma konami. Est-ce ma ponami Oyo? Il s'agit de la transparence de ma ponami Oyo qui n'a qu'une moi. Et n'est pas moi pour bien la fraude et d'autres chers. Ah, merci Ndeko Olivier. Je crois que Awa, tu refonds la mise sur la Congolais. Tout à fait. Baye ba ma cambrezo le cas. Parce que l'élection dans la République démocratique du Congo, ils ont un enjeu ma casse. Manger na katipe libanda. Parce que Moutonion soit dirigé à la Congo. Boye ba ango que ils ont n'importe qui. Congo n'est pas n'importe quel République démocratique du Congo. 2 345 410 km². Nous avons un minerai à venir et à mon kiv. Alors, dans le monde, dans 1975, il y a un monsieur extraordinaire intelligent politologue, Henry Kissinger.
a même un rapport dans l'administration américaine à Ipsi Bango, comment maintenir les pays pauvres dans la pauvreté. Tout à fait. Alors, cela veut dire, il faut tout chaba politique pour maintenir le statu quo. C'est-à-dire, bah, pays où on est se développer. Vous voyez que le pays se développera par la qualité de ses dirigeants. C'est-à-dire, bah, dirigeants, bah, dans le patriotisme et dans le nationalisme, dans mon thème. Ou, bah, c'est dévoué coréens pour les intérêts de leur population, pour la devenir, pour la population, là-bas. Et ça, c'est le comme il y a un système dominant. Le système dominant, c'est un groupe de gens qui contrôlent l'économie du monde et qui veulent maintenir leur impérium. Ça passe par des multinationales. Les multinationales vont s'installer, vont dominer quand même la grande puissance, même le pays, ils sont même capables de faire la coup d'État. Alors, aux yeux les deux aspects Oyo, est joué depuis 1884 dans la République démocratique du Congo. C'est-à-dire, même conférence de Berlin, Batouana, ils ont commencé à mettre des politiques tilélo, ils ont en place. Dans la République démocratique du Congo. Dans le monde, surtout, autour de la République démocratique du Congo. Et en même temps, tant que nous indépendance, on n'a pas pu décoller parce qu'ils ont maintenu leur pression dans Katiamboka. C'est le pays que les États-Unis craignent au monde. Ne vous y trompez pas, ce n'est pas la Russie. Ah, ce n'est même pas la Chine. Non, parce que bah, il y a des minéraux stratégiques dans Mboka. Laisser le Congo se développer, c'est un danger pour eux. Parce que, aujourd'hui, c'est seul, ils ont un petit-fils, ils ont exploité les minéraux, ils ont le col à la coco. Alors, ceux qui ont exploité les minéraux à Congo, principalement, l'économie est comme un problème. Vous voyez que la deuxième guerre mondiale est si là parce que la bombe atomique va matière dans la République démocratique du Congo. Ce qui fait que la République démocratique du Congo est un radar, il y a le monde entier. Il y a ma puissance, il y a ma multinationale, il y a ma organisation internationale. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que la République démocratique du Congo, ils allaient bon, autour, ils vont monter, autour, ils vont monter, il y a le monde entier, parce que il y a un pays, ils allaient dans la République démocratique du Congo, ils vont monter, 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 ils vont monter. Il y a un des problèmes. C'est-à-dire que. C'est élection à Félix, notre deuxième mandat. C'est la vraie indépendance. Et c'est la fin, il y a crise, il y a légitimité en 1960. Na bandeli, nazo ko expliquer. T'as la tente aux yeux indépendance en 1960. Tout à fait. Tu côté malamo après ba trouble bandi. Tout ça, c'est parce que biso ba congolais toujours qui nous conscience de qui nous sommes et quelle est la nature réelle du pays que nous possédons. Il y a un moment, on a même un dirigeant belé, ma coca quitté. Alors, parce que pour tout en attendre, ce qui tombe au talibien parcours la République démocratique du Congo, surtout l'élection OEA 2023, M. Félix, dans le premier mandat, a posé un acte moko fondateur et la renaissance du Congo. À l'obiboué, désormais dans le Congo, minéré ko bimasusu te soki ba pesi en première valeur nangwa jute te. Na kati ya République démocratique et pesi bango kanda. Monsieur Félix Ayala lobi pour que guerre si la na est. Ngai na zu mokano comme constitution pesi ngai plus de brassage na mixage na armée. Donc désormais mon paya mon to mokota ko ki ko sala rébellion kota na kati ya armée. Pour maintenir le Congo dans l'insécurité, ils ont utilisé ces moyens à mixage et à brassage. Aïe à l'obibo, désormais, nous devons relever notre économie. Ça a dérangé les multinationales. Il y a un moment là, ma côté, ma quitté belé pour que à longue élection, vous comprenez? Il y a un moment là, l'élection, oh, les qui n'a pas en jeu, ma cassi. Ndeko, ben, l'élection, nous avons aligné beaucoup. Tout était fait. Aujourd'hui, dans la histoire, pour tout comme on a au niveau de la contestation, dans la histoire, il y a élection. Denis Kadima Bironez allait qui installé après 28 mois de retard. Mais il bah, rattrapé parce que Bango souci n'a pas dépassé le délai de fumer la brèche dans la crise politique majeure, personne n'a pas profité. Mais nous avons allé qui n'a pas gouvernement, par l'impulsion, Mokonzambo, Félix, ma pessisseni, ma moyen.
Mais ça peut être que les Congolais vont oublier parce que le gouvernement, il y a ça, il y a dans les temps, parce que tu as dit que en 2018, il y avait deux gouvernements, parce que le gouvernement, il y a dit financé l'élection. Il y a dit que il y a qui peut travailler pour l'élection. Mais le gouvernement, il y a qui a financé l'élection. Je vous dis, bande Konanga Congolais, vous avez dit fort un sacrifice. Moi, je suis Félix, ça s'est pour l'élection et tenir. Dans le délai. Ndeko, Oyebi. Oyebi, voilà comment les choses se sont passées. Quand je parle, il y a système dominant Zabanani. Ce sont un groupe de gens au Bazalakana contrôle toujours Nicolas Congo. Et ça, c'est multinational. Qui appartient à ma grande famille, à Mikila Poto, ma Varbouk, ma Windsor, ma Rockefeller, ma Rachid. Na ma Varbouk. C'est-à-dire. Dans le monde, il contrôle l'économie mondiale via les multinationales. Dans le monde, à la base, il y a une sécurité à l'Est via les groupes armés. Alors, les groupes armés, ils ont permis d'exploiter les minerais à Congo. Est-ce que les Congolais ont dit que avant Mokonzambo, que Félix a été au pouvoir, le Rwanda a exporté 6 tonnes d'or par mois dans le Qatar? S'il vous plaît, 6 tonnes d'or par mois. Aussi longtemps que Rwanda, ils ont profité de ma communauté. Moi, je suis à Félix, à Katiango, avec Primaire à God SA. Quand on a dit ça, dans Rubaya, chez Mwanga Chuchu, réserve mondiale, il y a coltan. Mais que nous, la Rubaya comme un village. Ça transitait par le Rwanda. Ce sont ces multinationales qui ont profité, qui ont préféré que tu aies un comptoir dans le Rwanda, dans l'Ouganda, au lieu de le mettre en République démocratique du Congo. Moi, je suis Félix Tshisekedi a dit niet. Ce que Kandawana, je suis dit que je suis dit en 2023. Ah, donc, plan machiavélique. Plan machiavélique, c'est ça. Mais tout ce qui est Félix. Comment il s'en sort de cette situation? Mais les Congolais ont critiqué Congo Félix. Ce Congolais est baka. Il tombe Félix, il est baka pour Congo et la Congo. Mais il est raté. Et ça va payer des valeurs à Félix. C'est-à-dire, pour Nabango, il fallait Félix à l'ombre à pouvoir. Vous avez dit, monsieur Cholet, à l'Obayango, Denis Kadimayo, ceux qui ont continué quand on a monté ma casse, on a reçu l'élection. Et que l'élection n'a pas de résultat, c'est pas les civilisations. Révolution est ça, Mme Bokao. Et là, il est déjà prévu. Un courageux va prendre le pouvoir. Aventurier, John Nimbi, ce petit monsieur, il a menacé la République d'un coup d'État. Jusque-là. Monsieur Nanga, un autre bout de monsieur, il a menacé le pays de coup d'État. Tous les opposants, c'est le seul pays au monde où les politiques menacent l'État. C'est le seul pays au monde. Mais parce que l'autre côté de la situation, parce que Moni et AFC, Alliance Fleuve Congo, et Kélami, Paya Corneille Nanga, Bertrand Bissima, John Numbi, Lelo, est-ce pas qu'on bandit ça? Comment est-ce que l'élection est à fatalité? Comment, après publication et résultat, vous voulez mettre le pays à fait à 100? Est-ce qu'une élection, c'est une fin en soi? Dans un peu, ça dit mouvement Yananga. Il y a un certain Mouamir Rajab qui a rejoint le mouvement, c'est un cadre du PPRD. Le PPRD, il y a on a même ensemble, on a, les gens vont commencer à quitter ensemble pour rejoindre ce mouvement rebelle, criminel. C'est-à-dire que pour Nabango, Félix arrivé au pouvoir, c'est le plomb machiavélique qui a battu et Sili. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte, même s'il faut mettre ces pays à feu à sang, ils sont prêts pour le pouvoir. Mais est-ce que Nenge Bako signe l'article 64, va activer l'article 64, Moïse Katumbi, il a prononcé cela, le bloc, où il y a Martin Fayoul, Denis Mukwege aussi, Bangopé Bako signe l'article 64, est-ce qu'ils vont arriver? Nasolo Bako, et voilà la vraie réflexion, article 64. Ils en ont deux alinéas. Dans le préambule de la Constitution, il y a crise de légitimité. Ils allaient dire que parce que pouvoir, nous avons par voie de fait. Voie de fait, c'est-à-dire insurrection, coup d'État, mouvement subversif. Mais la Constitution confère le moyen d'y arriver au pouvoir, c'est par les élections. Ce qui, moi, n'a pas Félix Tshisekedi, a organisé l'élection le 20 décembre,
Azala qui maintenant a obligation à couper la classe politique pour avoir une légitimité consensuelle à Mboka Mobimba. Même article 80, 64 ne pouvait pas s'appliquer. Mais moi, dans Mboka Félix Tshisekedi, via les institutions d'appui à la démocratie, CENI en l'occurrence, a sali ici l'élection. Donc, c'est-à-dire, élément à l'inéa premier est zaté. Mais si Koyo, sur qui, Ezana Batu, Balingi va appliquer l'article 64 de manière abusive, alinéa 2, il doit s'appliquer à eux. C'est-à-dire, je vais expliquer ma congolais. Ezaboué. L'État va bénir Léviathan. Léviathan, c'est un démon. C'est un monstre. Non, ce n'est pas un démon, c'est un monstre. Pourquoi l'État doit être un monstre? Parce que nous sommes dans la notion de l'État et du pouvoir. Pouvoir, Ronaye, c'est l'organisation de la société. Oyoba Mibeko et Tchamifo Moutounio sont à l'anda. Mais si Koyo, Mibeko Amboka et Pessi Moukondi Amboka, n'a pas institution pivot, il y a côté l'emela, bah, ennemi, interne comme externe, il y a Mboka Oyo. Soki, ils en a bah, congolais, bah, que en dehors, il y a Mibeko, ils en a deux voix. La justice est que ce qui peut le bango, ce qui bat en baza appréhendé, mais ce qui bat tout baza appréhendé, c'est que il y a un mouvement subversif, insurrectionnel, Basimi Minduki, l'État, via le président de la République, a une obligation constitutionnelle, il y a pour protéger l'intégrité territoriale en Mboka. Là, je parle en tant que politologue. Mais bien que PC Mbingisa a éliminé dans le physiquement. Je reprends, monsieur le président de la République, lorsque vous allez prêter serment le 25 décembre, vous avez un pivot, il y a pour éliminer Montonioso Akosimba Minduki de manière physique. Donc, même coalition AFC. Je reprends, si c'est mon père qui a touché les armes contre la République, parce que le seul moyen d'arriver au pouvoir, c'est les élections. Vous avez l'obligation de l'éliminer physiquement. Parce qu'une erreur politique peut entraîner des millions de morts. Il faut protéger un grand nombre au petit du plus petit nombre. Ah, donc, ce maloba oyo mokondamo kaloba qui est ce qui a eu qui balle, crépitement et balle, n'attend beaucoup à pour réunir. Mbonga et Koki a déclaré guerre. Nous ne sommes pas plus démocrates que les Américains. Vous savez qu'il y a un individu dans les réseaux sociaux qui menaçait la vie, intégrité physique à M. Joe Biden. A combien coûte une maison blanche? A ça, il coûte une rébellion? A personne ne vous permet de le fait que la FBI a été au Kangaya résisté à Baboumaye. Nous ne sommes pas plus démocrates que les Américains. Aux États-Unis, ça ne blague pas. L'État et le pouvoir. Moi, je suis choqué, il y a des fois, quand je vois les services de renseignement militaire et civil laisser les gens parler du président de la République avec autant de légèreté. C'est un symbole de l'unité nationale. Non, c'est parce que nous ne connaissons pas la Constitution. Il n'y a qu'une seule personne dans ce pays, une seule personne qui est une institution. Les autres ne sont pas des institutions, c'est le président de la République. Vous comprenez, monsieur le journaliste Olivier. Donc, ici, je parle en tant que casquette et politologue. C'est-à-dire, l'État a une obligation, via les institutions, qui est le premier, le président de la République, parce que son serment, c'est de protéger l'intégrité territoriale du Congo. C'est-à-dire, et les limites du Congo, et les contenus du Congo. Par tous les moyens. C'est pour cela que j'interpelle le président de la République. Qu'à l'aube de sa prestation de serment, il faut éliminer, je dis bien, je pèse les mots, éliminer toutes les menaces, internes comme externes, pour protéger les enfants qui sont à l'intérieur. Qui sont à l'intérieur, mais mon amour, comme Moïse, quand tu vas le dire, au Tikamouité, c'est-à-dire, il y a des voies légales que la Constitution confère, c'est d'aller vers la Cour constitutionnelle. Qu'on est saisi par le greffe électoral pour dire que moi je conteste les élections. Et puis il faut amener des preuves. Monsieur Katumbi, parlons-en de ce monsieur. Vous savez que monsieur Katumbi, il n'a pas fait toutes les promesses, il n'en a fait que 15.
Nazoko expliquer. Nous avons 26 provinces, il n'en a fait que 15. Il a tenu moins de 25 meetings, Félix en a tenu 52. S'il vous plaît, Félix avait des relais dans toute la République démocratique du Congo par des leaders et la qualité de ses alliés. Mais monsieur Katumbi, monsieur Katumbi n'avait que des qualités comme un monsieur Seth Koukoun, un vendeur de friperies. Je pèse bien mes mots. Monsieur Katumbi n'avait que des alliés comme monsieur Sessanga qui n'a eu qu'une seule voix, Louisa. Citez-moi un autre allié. Citez-le tout ça. Mais c'est une vraie machine, nous au Congo central. Moi je suis un né Congo. Vrai pur sang. Il a flopé là-bas. Étant président et assemblée professionnelle. Il a flopé. Je suis de là. Bravo à l'équipe qui a accompagné le président de la République dans le Congo central. Parce que le président a la chance d'avoir des nécons de qualité. En l'occurrence, le directeur adjoint du cabinet du chef de l'État, M. Wamesso. Bravo pour le travail. Bravo à son excellence Didier Boudimbou. Bravo à son excellence Mme Toulou Kasumiana, Judith. Qui ont fait un grand travail. Ma tête en pogno a été battue en Maniema. Je salue M. Betika, le vice-ministre du plan. Citez encore. Donc, c'est pour dire ceci. Nous sommes arrivés à un moment important de l'histoire du pays. Soit nous tombons, soit nous nous relevons définitivement. D'où, vous savez, Félix Azali, hein? Félix, il est le fils des pères des indépendances. C'est-à-dire, il est né en 1963. C'est le seul politicien qui est né d'un père politique. Il connaît l'histoire politique du Congo. Allez vérifier. Félix n'est pas n'importe qui. C'est pour cela que nous avons dit qu'il fallait ces messieurs. Parce qu'il a vu, il a entendu. Il a plus d'expérience que tous ces politiciens. Les gens parlent de l'expérience. Qui a plus d'expérience politique que Félix? Félix a rencontré des chefs d'État avant qu'il soit président. C'était un seul opposant qui a rencontré des chefs d'État dans ce Citez-le, monsieur. Moïse Katumbi a dit qu'il y a eu un monsieur, je vivais. Félix, à 9 ans, il vivait déjà en Europe. Le seul opposant qui a rencontré des chefs d'État du monde, c'est Félix dans ces pays. Citez-le. Le seul parti, le seul parti où un dirigeant du monde qui arrive avant mon président de la République, à quel moment était Tshisekedi. Vous dites que Kabila Sili, qui est là, qui a la délégation, pourquoi il y a besoin de Titanga, besoin qu'il y ait l'unanimité. Si vous avez l'unanimité, vous n'avez pas l'unanimité. Vous avez l'unanimité. Je reprends, parce que de Belé, nous comprenons l'été. Citez combien de chefs d'État, M. Moïse Katumbi, Bayambay, dans le Congo. Citez. À part Zambé, dont il a des affiliations familiales avec l'ancien président Chiluba. Ndeko, vous êtes journaliste. Citez un seul chef d'État qui a reçu Moïse Katumbi. Dans le temps, le chef d'État a marqué Félix avant qu'on ait le pouvoir. C'est le seul parti qui était ce que. D'ailleurs, le CG Kabouya Zan numéro 2 est le parti socialiste dans le monde. Ça ne vous dit rien. Bravo au CG. Premier vice-président et socialiste international. Quel est ce parti qui peut parler dans ces pays? À part l'IDPS. Donc, c'est pour dire le complot que tu vois là, hein, ça a été ourdi. Le complot, il faut des acteurs. Ils sont allés dans la société civile, la RDC, ils ont recruté. Il y a un monde à un niveau à Cinco. Je ne parle pas de l'église catholique. Je parle de la Cinco et certains individus qui ont été achetés. Mais aujourd'hui, ils sont du bon côté de l'histoire. C'est-à-dire, ils ont été. Dans la science, devant les évidences, on s'incline. Parce que, non, c'est-à-dire, je ne veux pas citer les noms de ces gens-là dans le cadre de Makamboué. Il n'y a rien à dire. Mais parce qu'ils ont dit qu'il y avait déjà. Tout le monde va dégager qui déjà n'a plus de. Ceux qui ont dit complot, ceux qui ont dit wapi. Nous avions eu deux candidats très dangereux pour la République démocratique du Congo, M. Mukwege et M. Katumbi. Ils ont compris que qu'on est valide et qu'il y a eu trouble dans le pays. Parce qu'il y a un peu d'alliés de Manba Kosenga Lelo, bloque à Mukwege Bakosenga annulation à l'élection. Annulation.
Ce que tout cela entre nous, moi je suis politologue de formation, je connais la Constitution. Un candidat président de la République, il a quel statut juridique et constitutionnel? Il n'a pas de statut. Donc, c'est-à-dire, il a le même droit que Yonangaï. Alors, ce qu'il y a à rejoindre, votre Nanga remettre en cause parce qu'il est qui? Parce qu'il s'appelle M. Katumbi? Parce qu'il s'appelle un certain Fayoulou? Et même si n'est pas pour déclarer bah, irrégularité, bah, machine, bah, nan, quoi, bateau, logistique, c'est un peu difficile. Bon, tant que tu as mentionné ma machine, on a. Bah, tu vas comprendre de tes noms, fond, là, bah, tout misou. Denika Dimalobi, nous allons utiliser les machines de Nanga de 2018. Bah, tu vas créer, bah, incendie, bah, yibi, bah, machine, on a. Ce sont des machines de 2018. Oh, autrement, on a un logo. T'as l'angle, ça, bah, logo et un drapeau. Ouais, Denika dit, mais ça, bah, mine, y a isoloir. Ils allaient mettre forme à qui? T'as le logo. Maintenant, t'as la tête. Ah, donc, différence, c'est ça, entre moi. Différence. Denika dit, ma tête, président. Denika dit, ma savait. Ils ont, le service de renseignement, Moussa, n'a pas moins net. Que non, il y a une préparation et une fraude massive. Pouf, ma dernière minute, t'as commandé ma machine à Tiki Ananga. Bah, c'est retrouvé dans ma machine à Ananga. Et puis, qu'on peut s'aimer. Denika Dima piégé tous les politiciens, eux du pouvoir et de l'opposition. Les machines étaient circonscriptionnelles. Naba bulletin na yango. C'est-à-dire que ça va bulletin na machine en gagné ma éco se déplacer té. Même à une machine yananga. Il y a Denika Dima, ça le rota. Ba ba yango té. Même ba travailler à Yaseni. Ba bombe là dans mon secret, donc mon colo plan bombe ba secret. Donc, ce qui fait que ceux qui sont allés dans le bourrage des îles, c'est dans mon salaire, il y a Punda. Parce que Denika Dima, il y a ceux qui toquaient qu'au salaire enrôlement. Nous avons utilisé les 10 doigts. On dit qu'on peut aller nous. Ils avaient qu'au jour à vote. Ceux qui ont eu qu'on votait plusieurs fois, en tant que Moutoumoko, quand on voit Moko, ils allaient accepter. Parce qu'il y a un prêtre, nous avons des doigts. Tous tes doigts, en prêtre, nous avons mis ça, nous avons une machine tactile. Ils ont la carte à base de données. Même à toi utiliser Oyo, ils ont Joseph. Même à toi utiliser Oyo, ils ont Joseph. C'est comme même l'opérateur, il y a celui qui a été. Donc, à chaque dispositif, même dans Kati, Oyo, il y a un candidat pour tenter de l'agencer. Il y a un mot à remonter là. Ah, parce que voire même la Cinco a reconnu. La Cinco a dit que ce n'était pas facile. Il y a beaucoup de côtes en Afrique. Je ne suis pas de la CENI. Je ne suis pas de la CENI. Je ne suis pas de la CENI. Je ne suis pas de la CENI, mais Denika dit que maman la maître. Donc, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps pour l'élection. Il savait qu'avec la mentalité des Congolais, même du pouvoir, même de l'opposition, allait tenter de tricher. Il y a un peu de temps pour l'élection. Mais les lois européennes, mon amoka, ils allaient couper ça, moi pas si, ils allaient comme on a que mon konzamoka, il y a si azu naie, parce qu'ils avaient ma preuve naie, opposition, ils ont la preuve t, bah on va lobby on va activer article 64, or loi, il y a un moka n'abuse pas si bango, mais là bas qui est dans la cour constitutionnelle pour que bas qui ne démontre ma preuve, mais jusque là, on n'a vu personne, on n'a vu que Théodore Ngoï, mais Théodore Ngoï pas allé à 0,02, donc soit 4139 voix. Intellectuellement parlant, il est irréprochable. Qui pastoral n'a pas au côté, mais politiquement, viens à Moutakop. Viens à l'ingatir en actualité, c'est tout. Donc, il n'y a rien à dire. Mais, Lélo, mon amour, parce que tout côté là, parlez-moi, mon amour. Ma député, ma candidat, vous allez qui n'a qu'à tenir. Jusque là, mon thème est à l'icolo, l'icolo, Denika Dima reporté sous publication. Qu'est-ce qui se passe, Balobi, qu'il y aura. Les députés qui seront nommés. Non. Compilation pour les députés nationaux et provinciaux, c'est difficile. Toquer une élection avec 101 000 candidats, s'il vous plaît. La compilation est compliquée. C'est-à-dire que Denika Dimaza Pridor, entre publier des résultats, où il y a une probabilité à contestation électorale, il y a un moment où il y a travaillé bien pour que tant qu'on publie des résultats, qu'il y ait moins de contestations. Moins de contentieux électoraux. Vaut mieux traiter bien les choses en amont, c'est-à-dire avant publication, que après publication. Moi, je crois parce que j'ai été formé à la CENI en 2018, na yebi bleu quand des c'est-à-dire va éviter, c'est-à-dire les élections, publications, députés nationaux, provinciaux, na ba conseil communal, c'est complexe
par rapport à l'élection, il y a présidentielle qui n'avait que 26 candidats. Donc, c'est facile à compiler. Mais là, nous parlons de milliers et de milliers de candidats. Donc, il doit prendre le temps. Tant qu'on a fait la publication, à s'assurer que CENI a reconnu dans le tribunal et belé, parce qu'il aura publié les vrais résultats. C'est ça la vérité. Alors, maintenant, on peut tricher à qui? Ou bien, il y a une tentative, la tricherie, il y a dev. La CENI, en ce moment, a décelé. Je crois que le service, il y a renseignement de la justice, vous allez saisir par rapport à un comportement à mal monté. Il y a certains candidats. Oui, on va traduire, bon, la justice n'a pas d'argent à CENI. Voilà. Donc, dans ce côté-là, moi, je ne suis pas dans la logique pour dire que non, la CENI, non. Ça, ce sont des procès d'intention inutile. Ce sont des procès d'intention inutile. Mon ami, Joseph Matondo Mingi, il a demandé une invitation à l'invitation. Il a trouvé l'invitation à Souka, mais malgré tout, il y a encore des dossiers à parler. Il y a encore des matières et des informations à scruter et à analyser. Mais nous allons vous garder parce que vous êtes fils maison. Déjà, votre message à la nation congolaise et même tout le peuple congolais, population de Soazoua qui est le Bako Kolandayo, caméra noire. Bako Congolais Nyonso, s'il vous plaît, Félix est notre frère, Félix est notre sang. J'ai vu le monsieur, sa volonté. Sa volonté, c'est de faire renaître le Congo des cendres. Ce pays a été détruit depuis que Mundela Nyatana Mabele. On a connu les années indifférentes de l'indépendance douloureuse. Voilà l'occasion de donner à Félix ses second mandats. Pour que vision naïe à Tchango Soussou et Kenemusika. Nous avons un projet de 145 territoires qui n'est que dans sa première phase. Deuxième phase, dès qu'il a prêté serment, c'est des routes de dessertes agricoles, c'est des brigades agricoles, c'est l'enfer qui va entrer en jeu pour l'électrification des milliers ruraux de nos territoires. Voilà une ambition politique. Je vous vends encore ce rêve de Félix Tshisekedi. Oh, il m'a dit déjà qu'on s'est matérialisé. Couverture universelle santé, universelle plutôt. 4 milliards de dollars, il y a budget. Dès qu'il prête serment à Rokota dans la deuxième phase, oh, il y a que Congolais, pour une maladie de malaria, typhoïde, avant de recevoir soins de santé gratuitement. Ndeko. Félix Tshisekedi, il faut implémenter. Bobby, qu'est-ce que tu as prêté serment? Route Kananga, Mbujima, Iti, Bukavu. Mbou nous a déjà décaissé. Donc, il a des projets ambitieux pour ce pays et Nyo se a déjà sur table. Mbou nous a déjà. Qui n'y est à la Namboka? Donc, ne suivez pas ces politiciens qui sont en contact avec des rébellions. Je vous dis, bah, Congolais, belé, bah, l'opposition. Basant en contact avec les rébellions, ne le suivez pas. Donc, qui met en Amboka, vous avez la confiance dans mon Amboka. Voilà, merci beaucoup, mon Amboka. La bande était au bout de ma soulouna parce qu'il y a encore beaucoup à parler. N'est-ce que tu le dis à mon Amboka Félix Anto Tshisekedi, ma priorité est Zalinini. Et qu'est-ce qu'il reste des fois à ça là? Parce que maintenant, où est Zalina Barangin est belé, Zalina Barangin est belé. Et puis, tu peux mettre un peu pour développer un mot dans l'émission Zalina Koya pour qu'il informe toujours le peuple congolais à Zala. Vraiment, aux aguets et à information. Merci, Nabino Smozaki, Libako Golanda Biso. Nous vous disons toujours que bonne année, meilleurs vœux, Congolais Télévision, nous sommes là toujours pour vous informer et pour rendre nos services à qualité parce que vous avez donné la confiance au groupe Sabiso. Mais surtout, vous avez c'est la mino, mon salakito. Boutique à madame, on a ma boutique à la mino.